Hello! Como estás? Est-ce que vous passez une bonne soirée? Ah, il y a un peu de monde déjà, dis donc. Oh, il y a des têtes que je reconnais. Oh, il y a plein de têtes que je reconnais. Un gros coucou à tout le monde et un petit coucou particulier aux YouTipeurs qui ont été étonnamment nombreux et que je remercie grandement. Vraiment, vous avez fait un truc de fou. Sans déconner. Enfin bref. Dans mon imaginaire, il y a... Ah, oh, c'est pas mal ça comme pseudo. J'aime beaucoup. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va faire une sirène. Parce que j'aimerais bien faire une série de sirènes. Une série de sirènes, c'est joli ça, une série de sirènes. C'est ton premier live que je regarde. Oh, ben, bienvenue, Shujitsunasuta. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Faut pas me le demander deux fois, en fait. Hey, sirène, salut Soul. Bébé. Alors attends, il y a Taga, il y a Soul, il y a Loupiote, mais vous êtes au taquet, les modos. Il me manque Chachou, elle avait dit qu'elle serait là, la Chachou. Des sirènes, oui! Quoique je sais pas si elle est modo sur YouTube, j'ai un doute. J'ai un petit doute. Alors. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà des modèles. Alors, si les photos vous intéressent, j'ai mis le lien dans la description. Je suis gentille. Moi, il y a des mecs qui se sont fait chier à faire de belles photos de méduses. Pour moi, c'est logique de les créditer. C'est logique. C'est normal. Oh, Ayomina-san, les gens. Mmh. Ouh, les sirènes, ça me fait penser à Pitchy Pitchy Pitch, la ligne de sirène. Je connais pas du tout. Ok, déjà on va tout foutre sous le même calque, enfin, sur le même truc, ce sera déjà très bien. Ça va, vous m'entendez bien parce que j'ai un nouveau micro. Il est moins bon que l'ancien, mais au moins ça me permet de ne pas porter de casque. Et ça, c'est un pur bonheur. Oh, les Dolimédules. Oh, les Dolimédules. Je l'ai copié, elle. Oui, c'est vrai. That's good. Je suis la seule à avoir vu autre chose qu'une méduse sur la prochaine image. Oui. Oui, c'est... Je crois. Mine, t'es chiante. Écoute, pas la même chose. Oh, salut, Chachou. Moi, parler japonais, normal que toi pas connaître. Moi, vais arrêter de parler ainsi, car ça saoule. Hein. Non, y a pas de mal. Oh, bonjour les pubs. Comment allez-vous les pubs? Je m'en fous, je parlerai au-dessus de la pub. T'inquiète pas, la pub. Non, mais chute, la pub. Flûte, la pub. Voilà, couchez, la pub. Non, mais oh. Y a du respect ou pas? Bon. Ça fait un son plus lointain, mais bon. Oui, oui, du coup, c'est... Bah, en fait, le truc, c'est que forcément... Bon, là, si je suis vachement prêt, je vous fais de la ASMR comme ça, tout à fait. Salut, c'est Gilles-Oël. Non, c'est pas ça. Coucher la pub au panier. ouais, comment dire, du coup, il est un peu plus loin, faudrait que j'aménage un peu. Mais bon, là... Là, en gros, c'est très con, hein. Mais du coup, j'avais un putain de... ça résonnait de ouf. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu une peluche juste derrière pour que ça résonne moins. tu as mis avec Tiboudou Boudou? Oui, tout à fait. Putain, tu me prémets des logiciels. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Ça va peut-être temps de dessiner, non? Attends, on va se foutre les modèles, pas trop loin. En fait, j'ai pas fait assez large. À la limite, on s'en fout que ce soit un peu trop large. Non, c'est pas ça que j'aime. format d'origine, non. Elle est pas fut-fut. Facile rapport. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne le recadrage sur cette version de Photoshop, honnêtement. Hop là. J'ai raté quoi? Pas grand chose, mais ouais, 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 non, mais on démarre tout juste, ne t'en fais pas. Y'a pas de sushis. Ah, salut Recrec. Il y a plein de têtes que je reconnais, c'est bien ce que je dis. C'est beau. Bon, la photo, c'est quelle photo? J'ai pas de photo.
Je suis invisible. Je suis l'être qui n'existe pas. Peut-être que ça fera comme le vidéaste Hooper, qui a montré sa tronche au bout de 10 ans de streaming, de vidéos, etc. Hein? Ok. Désolé, je prépare le terrain, c'est chiant, mais il faut bien. Elles sont jolies, ces petites méduses. Moi, j'aime bien. Le pire, c'est que j'ai la phobie des méduses. Tu me fous dans la flotte avec des méduses, je fais une crise cardiaque. Hein. Mais je trouve ça joli. Ah non, je dois partir, désolé, c'est lourd. J'ai un projet avec une YouTube. Ne m'en veux pas. Y'a pas de souci. A plus, Mikochan. La photo de la peluche sur Discord. Ah ce serait rigolo. Moi, je vous la mettrai tout à l'heure. Alors, je suis déjà au lit. Quel enfant modèle. Muette. 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 Voilà. On arrête les bêtises et on commence à bosser. Parce qu'on aime ça, bosser. Et donc, comme je disais, en fait, ça va faire partie de ce que j'espère être une future série de sirènes sur le thème des différents poissons. Je l'ai pas inventé, ça existait déjà. Mais j'aime bien l'idée, ça, je trouve ça sympathique. Voilà. En tout cas général, après seulement je préciserai. Par contre, est-ce que c'est suffisamment détaillé? Le 100% il est là. Ah, ce n'est point suffisant vu le niveau de détail que j'aime bien mettre. Taille de l'image. Son pourcentage. On va mettre du 200% pour être sûr. Ouais. Allez, charge. Ah bah oui, c'est lourd, hein. J'ai bien conscience que c'est lourd, petit ordi, que veux-tu que je te dise. Hop, ok. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mis à enregistrer. Ce n'est point grave. Si je crois que. Alors attends. Qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Bon, désolé, je vous mets en pause 5 secondes. C'est le temps de truquer pour pouvoir enregistrer mon boxon. Je l'ai enregistré où? Je ne sais même pas. Sirène. Sirène. Méduse. Ouais. Enregistré. Chargement. C'est au cas où vous verriez mes fichiers compromettants, c'était dur à dire. Ok, c'est bon. Ok, t'as la lumière. Arrête de bouger, puisque ça nous met en pause. Oups, il faut bouger pour y faire. Aïe, aïe, aïe. JPP de vous. Moi, ça va, c'est mon enfant. Mon saoul à m'agresser pour rien, alors que j'ai rien. Ah, courage. RIP. En fait, c'est pas assez souple, là, on dirait que c'est vachement rigide. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça, ma chérie. Coucou tout le monde. Coucou à ceux qui arrivent. Coucou Masséno, ça fait longtemps, comment vas-tu? Je vais fort bien. Masséno, comment tu fais pour que ton chéri te laisse tranquille MDR? C'est pour une amie. Bah, c'est simple, il respecte le fait que j'ai des trucs à faire. Il sait très bien que je râle sinon. Donc, alors attends, à quoi ça ressemble un peu? Ça fait des espèces de froufrous, c'est joli? C'est ponisse tout ça. Pardon, je pète un plomb avec mes conneries, moi. C'est ponis. J'ai pas compris. Tu dessines grave bien, j'ai même pas commencé. Mais c'est gentil. Même si j'ai pas commencé. Mais c'est gentil. Alors attends. À quoi que ça ressemble, une méduse? Ouais, vous avez vu, ça fait des espèces de dentelles. En fait, j'aimerais imiter un peu ça. C'est bon, une méduse, je demande
C'est pour une pote. Qu'est-ce que vous avez tous à demander pour des amis? Ça va être de quelle couleur ta sirène? Bah, petit peu comme une méduse, c'est-à-dire dans les tons roses, même s'il y en a des orangés, des marrons, tout ça. Mais je préfère quand même le rose-orangé. C'est le mieux, je trouve. En fait, le plus dur, c'est de faire la première pause et après, ça ira tout seul. C'est bizarre, mais Méduse, ça fait peur, mais c'est joli en photo. C'est ça. J'aime Naruto. Je connais deux noms et j'ai pas accroché. J'ai essayé, hein, mais ça m'a pas parlé. Alors, est-ce que tu vas lui faire un chapeau méduse? Je ne sais pas encore. J'avoue y avoir réfléchi, mais je sais pas trop. La musique vachement épique, alors je fais juste un brouillon, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Elle ange beaucoup trop basse, cette pauvre madame. Alors je sais bien que c'est censé être une créature fantastique, mais tout de même, c'est pas une raison. Je vais la faire en train de jouer avec ces espèces de ficelles, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, des ficelles de méduse, allez, on appelle ça des ficelles de méduse. Chut. En fait, je voulais lui mettre une main sur la poitrine, mais en fait, ça fait bizarre. Je mets un défi de dessiner une sirène. C'est magnifique, même pour un brouillon. Alors, attends. Bon, ça va pas du tout. J'ai pas de bon pinceau, c'est terrible. Au secours. Alors, elle a la poitrine 10 fois trop basse aussi. C'est terrible. En fait, j'aimerais la faire en regardant légèrement vers en haut. Tac. Alors, des ficelles de méduse. Ben quoi, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez contre les ficelles de méduse? Voilà, je suis inspirée. Vous avez quitté? Oh, bisous. A plus dans mon imaginaire, il y a. J'ai attendu ce pseudo. Alors, les épaules sont 10 fois trop. Ça va pas du tout. Ah, vous êtes prévenus, vous allez voir l'envers du décor, c'est-à-dire comme je galère à faire un brouillon, quoi. Ça peut être terrible, ça peut être vraiment traumatisant pour des gens qui ne sont pas habitués. Mais j'ai mis le TM, maintenant c'est officiel. Le TM. Coucou Sono, ça me fait plaisir d'entendre ta douce voix. Ma douce voix. Nous parler, c'est gentil. Pourquoi ce dessin me rappelle à l'AGA? Ah, bah oui, tout à fait. J'espère ne jamais retrouver des ficelles de méduse à la place des ficelles. Pas trop loin. Elles sont très bien, mes ficelles de méduse. Tu rigoles. Oh, Odyssey, comment vas-tu? J'ai loupé beaucoup de choses. Ah, mais non, les pubs, mes chutes en plus. Ah, c'est pour Dove. Oh, un déodorant. Dis tout de suite que je pue. Hein? C'est ça le message caché? Hein? C'est ça que je dois comprendre. c'est des tentacules. Ah, ben oui, je suis con. Oui, le petit TM, par exemple, pour les marques. Ou chose du genre, je sais pas comment expliquer ce. Ah, d'accord, ce truc là. Je sais que tu viens à peine de commencer, mais c'est déjà trop beau. Oh, c'est plutôt normal, vu que c'est toi qui décide. Moi, c'est gentil. Ça s'en va et ça revient. Ça fait. Je vous ai traumatisé avec cette chanson. Hein. Par contre, elle est. Ah, que j'ai fait.
Attends. Non, c'est bon. B. Ouais, de temps en temps, me demandez pas pourquoi, quand je change de fenêtre, la tablette, après, elle me dit flûte. C'est terrible. On n'osait pas te le dire, mais voilà. Ouais. Avoue que c'est mignon, ficelle de méduse. Maintenant, je découvre Sano Picasso. Non, attends, ça. Sano Picasso, ça donnerait des trucs comme ça, des trucs bizarres, genre le nez complètement de travers, etc. Non, mais je fais pas la défigure et la pomme. Elle a rien demandé. Oui, c'est bon, tu me l'as mis dans la tête. Je t'en remercie. Tablette, bon, je prends le congé, débrouiller tout. C'est tellement ça. C'est terrible. Elle est beaucoup trop maigre, cette pauvre petite. Faut qu'elle mange un peu, quelques donuts, ou quelques poissons. Au chaud. C'est neuf, toi aussi, tu ne donnes pas tes cartes. Ah, mais le magnétisme me fait schmutz là. Va-t'en. Va-t'en, magnétisme. T'as des rétros. Si tu veux pas avoir de pub, tu peux faire une playlist et te connecter à votre privé de Discord et utiliser un bot. C'est pas con! C'est pas con, Lucut. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois je le ferai. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois je suis embêtée. Et j'ai pas envie d'avoir AdBlock, moi. On est 39. 40! Ah ouais! J'ai ça la pression. Le pire, c'est que je stresse à l'idée de faire des brouillons devant vous. C'est très con, hein. Et je sais pas, je sais que c'est tellement moche à l'étape de brouillon que du coup ça me stresse. C'est terrible. Alors, une sirène magnifique, comme tu regardes la tête, tu la vois avec un... aperçu tous mes calcons, sinon je m'y perds. Même si j'en ai 40. Ah, moi, je clique jusqu'à trouver le bon calque. je fais partie de ce genre de gogol. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sano, pour moi, ton brouillon est déjà super beau. Quand j'essaie de faire une tête, ça donne un alien. Voilà, voilà. Et tu dessines vraiment hyper bien. Le brouillon est magnifique. C'est fort gentil. Tac. Par contre, le bras est 10 fois trop long. Ça ne va point. Ça ne voit point, ma chérie. T'as eu des petits soucis. Bah oui, hein. C'est ça de porter des charges beaucoup trop lourdes pour toi. Par contre, il me met à chaque fois, ça c'est insupportable. On revoit l'épaisseur quand même. C'est peut-être un avantage si ton dessin est déjà un alien. C'est pas fou. Bref, c'est l'oreille. C'est ça. C'est tellement ça. Alors ma chérie, ça ne va pas du tout. Petite poitrine, maxi décolleté. Oui. Ah oui, c'est vrai. Purée, si la nana elle a pas envie de s'exposer, c'est tant pis pour elle, quoi. C'est super. On kiffe. Là, on dirait qu'elle est concentrée sur quelque chose. C'est terrible. Il est joli ton brouillon, Sano, mais quand tu lui mets le cercle... Comme pour les midis, moi ça donne un chat mexicain. Aïe aïe aïe. Là on dirait les vieux croquis de la Renaissance. Tu sais, les trucs bien mioches. Bien mioches. Oui, c'est bien. Bonne question. Télé-télé derrière sort le mercredi, non? Oui, tout à fait.
Et je ne compte pas changer de sitôt, sans quoi sinon. Non, ça fait bonheur à Star, c'est ça. Allez, j'ai l'impression qu'elle est en train de fumer, mais sous elle fume des trucs pas très catholiques vu qu'elle est avec des rastas. Tu vois? Ça c'est tellement cliché, c'est terrible. On dirait qu'elle fait la gueule, un peu ouais. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je couvrirai cette pub. Y'a pas de soucis, très cher. Mais chute, chute. En plus, c'est des trucs qui tournent bien. Aïe, 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 aïe. Nye, putain. Tant de clichés, c'est beau, mais tellement. Est-ce que tu vas lui donner un prénom à ta sirène? Aucune idée. J'ai un peu fait de la merdouille, là. Prochain live, dessin dessinou. Un personnage avec une tête de minus, des ailes d'ange et un nez de lapin. Ok, je sors, mais c'est n'importe quoi. Je raconte pas la gueule du truc, quoi. N'empêche, ça me fait drôle parce que je me souviens des live dessins d'avant, quand j'étais plus jeune, j'avais deux personnes, maximum. Je crois que le maximum que j'avais fait à l'époque, c'était trois. La chiche. C'est terrible. La pauvre. En fait, j'ai un petit souci. C'est pas assez sorti. Je suis mal placé. Non, petit micro, ne te fais pas la malle. T'es bien là, non? Alors pourquoi t'essaies de te faire la malle? Explique-moi. Alors, le regard qu'elle a, ta sirène. On dirait qu'elle est en mode prends une voix de pain bêche. Oui, je suis trop mal compris. Non, mais ma chérie, c'est pas possible ça. Non mais Jean-Roger, l'autre fois, il m'a appelé. Et tu sais pas ce qu'il m'a dit? Eh ben même qu'il avait mangé de la morue. Non mais tu le crois ça? Pourquoi le son est un peu bizarre? C'est normal, c'est parce que j'ai un micro différent. Purée, là elle est possédée. Ah oh, mon dieu, mais c'est terrible. C'est terrible, les ravages de la drogue. Scène dont tu préfères le style chibi ou manga? J'aime les deux. De Jean Rocher. du coup... Est-ce que je fais des oreilles? Ah ah, ben oui, c'est logique. Voilà, j'aime pas trop quand il y a une méchouille qui part devant les nénos. Tchis. Putain, mais là, elle fait tellement peur. Elle fait tellement peur, non mais là elle est flippante, c'est juste pas possible. On va corriger ça de suite, au secours. Mais au secours. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Elle est en train de dire je vais manger tout avec de la sauce tomate. Mais c'est trop ça. Oh, purée. Avec ou sans petite boulette de viande? Bon, elle est vegan. C'est une sirène vegan. Donc pas de boulette de viande. Alors du coup, si elle te mange, elle est plus vegan. Ah merde. Ou alors c'est toi les boulettes de viande. Oh, mon dieu. Dans sa tête. Elle est belle la lune aujourd'hui. Tu lui dis, non mais c'est le jour en fait. Alors voici la lune le jour, abruti. Oui, je m'auto-insulte. Je sais pas. Du coup, je redis ça, c'est noyé dans le tas. Les yeux me semblent vachement rapprochés. Oui, oui, c'est... Non, mais... C'est... Laissez-moi commencer. Je viens à peine de commencer. J'ai commencé il y a combien de temps que je rigole? Il y a 24 minutes. Mais laissez-moi le temps. Ça se fait, please. C'est pas possible, ça. C'est fou furieux, ça. Ma scène, je file dîner rapido et je reviens en 15 minutes. Prends le temps, chachou, il y aura la rediff, t'inquiète.
Un œil et une, je dois y aller, bisous. Maman, maman. Salut, Loénie. Ouh, je suis fatiguée. Salut, Noéline. On va y arriver. Mais ça me stresse. Ah, bah, t'as qu'à pas stresser. Non, mais faut pas être pressé. Hein. En général, en moyenne, il me faut 4 à 5 heures pour faire un brouillon à peu près potable. Hein. Donc, vous stressez pas. Hein. S'il faut commencer à me signaler les trucs que dans 4 ou 5 heures. Hein. Sinon, vous n'êtes pas rendu. Hein. Et donc, je fasse mes tests et tout. À 4 minutes déjà, elle veut bouffer ton âme. C'est incroyable. Bravo, Samuel. Aïe, coucou Seno, comment ça va? Bien, moi ça va, à part que je suis bien fatiguée. Tous les mois de mars, je n'ai pas arrêté de travailler, j'ai eu plein de choses à faire. Voilà, je voulais juste te faire un coucou. A plus, et bien à plus, et bon courage, roi des gnolles. Écoute ta voix en même temps que je prépare mon sac pour le voyage à Venise avec l'école. Oh, cool! Ah ben, très bon voyage alors. Voilà, des petites bonnes nouvelles comme ça, c'est chouette. Un live de 4 ou 5 heures, j'aurais fait ça demain, j'aurais pas dit, mais là ça va pas être possible. Non mais de toute façon je veux pas faire un live de 5 heures, hein. C'est juste pour vous dire que ça prend du temps, quoi. C'est un peu logique. C'est un petit peu logique. Bon là déjà ça tronche, ressemble un tout petit chouïa plus à quelque chose. Après, je me concentre vachement sur sa tronche, sachant que j'ai tout le reste du corps à m'occuper. Là, c'est... Harry Potter. Ah, j'en peux plus. Le sourcil, mais flûte. Ah, mais commencez pas, mille dieux. Commencez pas à stresser dès qu'il y a un truc de travers, vous êtes pas rendu. Eh, vos brouillons, ils ressemblent à ça aussi, hein. Vous voulez que je vous critique sur vos brouillons, vous allez voir. Oh, précieux, ouais, c'est ça. My precious. Harry Potter en sirène. Je trouve qu'il faudrait le changer le bout. Gauche. Flûte et crac. Ah ouais. Ah bah non, j'accepte pas, tu vas finir ton brouillon en 20 minutes, n'importe quoi. J'ai l'impression qu'elle louche un peu mes merdes. Je vous déteste. Imagine un regard d'ailleurs, ce qu'on est approché. En fait, vous voulez me tuer à coups de fou rire ce soir. Mais c'est terrible. J'ai envie de dire, c'est le principe d'un brouillon, d'être brouillon. Je suis la seule qui aime Nina et Mélodie dans AS. C'est qui Nina déjà? Ah oui, c'est celle qui est amoureuse de Dissembre. Exact. Putain, la gueule qu'elle a. Au secours. La pauvre. Pauvre petite. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Pour moi, elle a un strabisme divergent. Putain. Je vous hais. Allez, on va corriger un peu. Oula. À mon avis, vous ne devez rien voir du tout, parce que là, je suis sur une autre partie du logiciel. De toute façon, à mon avis... Clairement, rien que le brouillon ne sera pas fini ce soir. Donc, ma foi, madame, ma foi. Ah, trop joli nez. Il est tout empâté, le pauvre nez. elle s'est pris une pêche de la part d'une murène. Alors, je sais pas lequel des deux yeux parle plus. Peut-être un peu les deux, tu me diras. Ha ha ha.
Magnifique, même si on dirait qu'elle goûte du caramel périmé. C'est un peu ça. Transformation manuelle. Un petit peu plus comme ça, ma petite dame. De toute façon, j'ai l'impression que les iris sont un peu restreintes. Il va falloir que j'élargisse ça. On devrait peut-être arrêter de critiquer son brouillon, non? Attends, je vais essayer. c'est gentil d'essayer. Tu fais Sanoga Deldaria version sirène, c'est pas très rigolo. C'est bien parce que je redécouvre les musiques que je m'étais mise de côté pour les lives en plus. Ça, c'est plutôt cool. Là, elle mange encore plus ton âme, c'est terrible. Aïe aïe. Elle est chauve à l'instrabile et son père, c'est Voldemort, la pomme, elle est pas aidée. J'avoue. Non, mais... Il y a des gens comme ça, ils sont très très mal nés, quoi. Ah, mal nés, Voldemort, t'as compris? C'est les balles. Je peux pas la regarder dans les yeux. Tu viens me rejoindre dans l'eau, hein? Elle est bonne. Viens, viens avec moi. Dire que j'ai trouvé son regard vide. Ah ouais, non, mais on peut faire pire, hein. On peut clairement faire pire. Bonjour, je suis morte à l'intérieur. On est combien, s'il vous plaît? Je vais manger ton âme avec de la sauce roque. 45, ah ouais, quand même. Oh, c'est gentil, vous êtes fort gentil. Alors, attends, du coup, vu qu'elle est censée être légèrement en contre-plongée, on va remonter tout. Là. Bonjour, je n'ai plus de bouche. Comment je vais faire pour parler et chanter? Et faire un pacte avec une dame pieuvre. Trop de fame, mais tellement. Ça commence à ressembler à quelque chose. Un live avec Vox sur Discord, ça serait une idée, non? J'y ai déjà pensé. Et le problème, c'est que j'ai jamais vraiment eu l'occasion. À part... Si, peut-être pour les Minecraft, ça pourrait être pas mal. Je reconnais que ça pourrait être sympa. La bouche, sans commentaire, miroir. Mais laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. Please. Un jour, je vous ferai faire un live de dessin. Et toutes les 5 secondes, je vous dirai, il y a peut-être un truc qui va pas. Il y a peut-être un truc qui va pas. Vous verrez si c'est agréable. bouche un peu de traviole, mais ça ressemble déjà plus à quelque chose. Moi, quand je dessine, mes bouches ressemblent à des bananes. Banane. Comme ça, je vais me penser, mon chien il adore. C'est un truc, mais c'est. Tu lui présentes des gâteaux, il est pas aussi fou. Oh purée. Là, elle commence à devenir sexy chocolat. Il y a encore du boulot, mais. Déjà, ça ressemble plus à quelque chose. Il y a un truc qui dépasse Sano. Je me déteste. Tiens, Sano, je vais me joindre à toi et dessiner une sirène également. Oh, c'est pas gentil. Elle a un beau regard, tu es très douée, Sano. Oh, c'est gentil. Tellement de chouteté. Par contre, c'est vrai que les yeux sont encore un poil trop rapprochés. Allez, un petit coup de fluidité. J'aurais dû rapprocher, parce que là, du coup, j'ai dézoomé à mort. Donc, je suis embêtée. Tout va très bien. La meilleure des mondes. Ouais, c'est bon. L'œil droit moins épais, STP, et je remplace lui. Sauf qu'à qui a la décence d'attendre que j'aie un peu plus avancé le brouillon?
Là, de toute façon, je ne vais pas finir le visage maintenant. Hein. Là, je suis en train de le préciser autant que possible. Mais après, je vais continuer le corps et tout. En fait, je fais par à-coups sur l'ensemble. Je ne vais pas faire un truc ultra fini sur un morceau pour ensuite voir que je foire complètement le reste. Sinon, ça ne fait même pas la peine. Je suis parti 5 secondes, 5 secondes, son visage, après, comment ça fait. C'est cette magie, celle. C'est la magie de 12 ans d'expérience. Attends, 12 ans ? Ah, j'ai un doute. Un an, 15 ans, hein, je suis vieille. Je suis vieille, au secours. Je l'ai bien, bien chanté, ce son là, ça va être un mexicain. Maintenant, juste pour le lol. Voilà. On le lui fait, le petit chapeau mexicain. Voilà. Le chapeau du bébé, c'était un pire. C'est tellement raciste. Mon dieu. C'est terrible. Voilà. Le chapeau mexicain. Ah. Oh, ils sont beaux les nuages. Quel nuage, il n'y a pas de nuages. Ah, j'y pétais de moi. Bon, j'y pétais de vous aussi. Hein. Ça va, vous m'entendez bien quand même? Donc elle a franchement les yeux de travail, de travail, la peau. C'est terrible. Je vais plutôt faire ça avec la fouille. Suis-je seule à trouver la musique un peu forte? Ah ben, y a qu'à demander, je la baisse tout de suite. Bonjour, je suis une pub encore. Oh, alors ça par contre, c'est hallucinant. YouTube a mis en place les doubles pubs. C'est récent, hein, mais systématiquement, tu te tapes deux pubs au lieu d'une. Je ne comprends pas. Et on reçoit pas plus d'argent, hein, c'est ça le pire. Le chapeau était bien, il cachait la pièce aux cheveux. Elle va en avoir, elle va en avoir. Tant d'impatience dans ces jeunes et moins jeunes joueurs. C'est terrible. J'attends de voir hein, des lives de Tébrio sur Ride. Merci. JPP des cours en français. J'ai fait un texte sur le noir. C'est le thème de l'écriture de la semaine. Ma mère était impressionnée de mon texte tellement il était théâtral. Le prof m'a donné 60 sur 100. Ben ça va, c'est quand même une bonne note. Elle va être brume ou autre délire. Ben elle va être méduse. Donc il n'y a pas de... Brune, blonde, truc mûche, bidule, chouette, tout ça. C'est un peu épais, ça. Je suis pas encore tout à fait à l'aise avec la perspective. C'est pas encore tout à fait ça, ma bonne dame. Bonjour, j'ai le groin d'un cochon. Sinon, tout va bien dans ma vie. Ça va être arc-en-ciel. Ça pourrait être une idée. Non, ça va pas du tout. Voilà. La pune narine, comme ça, c'est réglé. Comment c'est foutu, hein, mais... Je suis en train de regarder avec mon propre pif. C'est lamentable. C'est terrible. Ah, peut-être comme ça. Ouais, ça ressemble déjà plus à quelque chose. En fait, c'est un peu trop éloigné, c'est ça qui va pas aussi. Efface tout le nez au pire. Genre, elle a pas de nez. Comme dans Oban. Qu'est-ce que ça pouvait me perturber dans un dessin animé, putain. Regarde, c'est un 100 sur 100. C'est la note de passage au Québec. Alors, pas vraiment une bonne note. Merde, pas sympa ça. Dommage. Désolé pour toi. Les cochons de mer existent peut-être, qui sait. Son père c'est Pumba. J'avoue. Oui, quelle heure? 39 déjà. Purée, mais ça passe trop vite. Ça passe 10 fois trop vite. C'est terrible. C'est terrible. On a une fleur de lys, même. C'est ça.
Faut vraiment que j'apprenne à faire les murs. C'est une catastrophe. Et il faut aussi que j'apprenne à utiliser l'outil fluidité. Parce que ça aussi, c'est une catastrophe. Je peux pas vous lire pendant quelques secondes, les gens. Désolé. Autant que je corrige mes bêtises. Parce que là, la pauvre, avec un groin de cochon comme ça, elle va pas séduire beaucoup de marins. Merde, j'ai perdu sa tête. J'ai perdu sa tête dans l'outil fluidité, c'est embêtant. Je fais comment, du coup? Ah bah oui, je l'ai décapité, dis donc. C'est embêtant. Il y a mieux comme passion dans la vie. Ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. On peut dire que c'est une coche. Oh, Kira! Oh, casse le nez et recommence. Non. Laisse-moi faire à ma façon, mais c'est pas possible, ça. Pire, ça donne, tu fais un donut. Ça, magnifique. Tu fais un donut qui lui recouvre la face, c'est tellement énorme. Et franchement, les impatients qui veulent que le dessin il soit parfait direct, faites jamais de dessin. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir. Ah, mais si, ça passe! D'où il est pas bien mon nez, il est très bien mon nez. Il y a juste ça qui est un peu trop marqué. En fait, faudra que je le marque plus au... Comment ça s'appelle ? Plus à la couleur. Là, je le représente un peu pour délimiter, mais en fait, techniquement, il faudra plutôt que je le fasse à la couleur. Mais très bien, mon nez ! N'importe quoi. Je vais devenir une femme tronc. J'avoue. Ça ne te voudrait pas recommencer le nez plus tôt, ou alors tu fais pas de nez. Voilà. Pas la peine de se fracasser. Tiens, on fait plus le bon nom de ce nom. Je me demande s'il n'y a pas une scène qui a rendu visite aux personnes qui critiquaient son œuvre d'art. Et qu'une scène arrive et dit TG. Mais le pire, honnêtement, je vais être honnête avec vous, je n'ai rien contre la qui. C'est dur à dire, ce mot, c'est terrible. La zaine, quoi. D'ailleurs, le symbole des mousquetaires, c'est mignon. Comment dire, j'ai rien contre la critique, bien au contraire, je trouve même qu'elle nous apporte énormément. Mais c'est vrai que, je veux dire, quand ça commence tout juste, ça sert à rien, quoi. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui taquinaient, mais s'il y en a certains qui étaient sérieux en mode « Ouais, machin, c'est pas bien tel truc et tout », soyez patient, apprenez à être patient, et voilà, quoi. Je veux dire, une personne qui vous dit « Bah tiens, le dessin, il est fini, tiens, regarde, et effectivement, il y a plein de trucs qui va pas », évidemment, faut lui dire « Bah écoute, je pense que tel truc t'aurais pu faire de telle ou telle manière pour que ça ressemble un peu plus, etc. » Mais si c'est un croquis qui commence tout juste, vous n'allez pas lui dire « Ouais, il n'y a pas assez de couleurs sur ton croquis en noir et blanc qui commence tout juste et qui est là juste pour savoir à quoi ressemble plus ou moins ton truc. » Ça n'a pas de sens. Ursula descend un dalmatien. Quoi ? Il y en a qui ont pas beaucoup révisé leur Disney récemment. Hein. Ça note bien sûr qu'on est beaucoup mieux que... je fais deux petits points pour... J'ai pas tout compris. Ni point tout compris. Franchement, il est bien. Merci. Voilà, toute façon, là, pour le moment, j'arrête de le retoucher. Je crois que je vais arrêter pour le visage pour le moment. Et je vais me reconcentrer sur le corps. Ah, elle fait toute innocente, en fait. T'as pas l'impression que c'est une saleté de tueuse venimeuse et venimeuse. Putain, merde, c'est venimeuse et venimeuse. On ne sait jamais. La patience est la clé de toute réussite. Bon, sur ces sages paroles, je dois y aller. Bonne fin de live à tous les scènes gardiens. A plus, Juliette. Scène on est magnifique. Merci beaucoup. Bah, vous voyez, en même temps, je continue d'apprendre, hein, ça paraît pas, mais je crois que c'est la première fois que je réussis un nez comme ça, sans modèle. Bon, à part en touchant le mien de nez. Mais ça, c'est ça compte pas. Chut.
Par contre, les yeux, ça c'est un truc que j'adore. Bon, là, c'est je sais plus comment elle s'appelle, 6 de Stranger Things, hein, clairement. Mais il déie. La bouche est magnifique, merci. C'est pareil, il faudra que je l'améliore par la suite. Mais là, pour un premier jet, franchement, ça passe. Ça passe totalement. Elle a l'air mignonne comme ça, mais les sirènes du Pirates des Caraïbes m'ont fait flipper. Tellement, mais tellement, elles sont tellement violentes dans Pirates des Caraïbes. C'est le seul truc que j'ai aimé dans Pirates des Caraïbes 4, hein, d'ailleurs. Les sirènes, elles sont tellement ouf là-dedans. Un sourire en coin pour qu'elle fasse peu racaille. Je verrai. Là, de toute façon, je pense que le visage va arrêter pour le moment et je vais me reconcentrer sur le corps parce que vous voyez, là déjà, c'est la tête, elle est plus du tout centrée. Quoi. Ça ne va pas du tout. On va recentrer tout ça, on va tout remettre comme il faut. Mesdames et messieurs, je vous présente une tête brûlante. C'est trop ça. C'est la tête de Medjugorje. C'est le cas de Medjugorje. Je suis tellement pas fait exprès. Je suis en train de m'endormir, ça va plus. Combien avons-nous de doigts, mon frère? Peut-être car le pouce est une phalange. Sérieux? Je ne sais quoi. Par contre, à chaque fois, elles ont l'air âgées, entre guillemets, les nanas. Par contre, elle a le visage qui est de travers, c'est terrible. Bon, je vais plus tard. Faut que j'arrête d'y toucher. Salut, comment va la reine Céline et ce fidèle Seigneur? Salut, Enko Cristal. Oh, les plus beaux. Et oui, les cheveux, bah oui. Bon, je fais juste des esquisses de cheveux, mais ce sera l'idée. Ah, de toute façon, il faut qu'on sente qu'elle est dans l'eau. Ça démarre bien. Alors, ta sirène n'a plus le regard de pain beige. Je sais pas, c'est pour un membre, peut-être. La fille cachée des arêtes. Qui sait? Ce qui expliquerait beaucoup de choses, d'ailleurs. Mais on s'en fout de vos pubs. Ah, mon dieu, mais les trucs, ils durent combien de temps? Ça dure 2 minutes, mais t'es sérieux? Ça dure 2 minutes et c'est pas mieux payé. Aïe. C'est pas une méchante ce que je dis, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Tu le sens, Google qui se sert largement? Tu le sens? Je vais pas juste faire un coucou. J'ai une question, combien de temps va-t-il rester en live? Je pense que je vais rester jusqu'à 22h30, 23h. Ouais. On va faire ça. Les scènes des Pirates des Caraïbes sont plus flippantes que celles de Sinbad le Marin, je pense. Tout à fait. C'est tellement bien, Sinbad le Marin. Merci encore, Chachou, de me l'avoir fait découvrir, le dessin animé. Tellement ouf. Un gros souci de cou quand même. Un gros souci de cou. Allez, on va rapprocher tout ça. Hop là. Ça va déjà mieux. Par contre, j'ai cru comprendre qu'on pouvait mettre en... Ni la pub. Et Lou, sans déconner, je pense que la prochaine fois, je saurai ce que t'as dit. Hein, parce que là, c'est juste abusé, quoi. C'est totalement abusé. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. J'ai une question très importante. Est-ce que tu sais comment changer la photo de profil sur téléphone et ton personnage? On dirait qu'elle fume. Si tu veux. Sur téléphone, qui? Je ne suis point un SAV.
On dit rien pour une fois que l'héroïne n'est pas chauchote, mais tellement. Je dois y aller. Pas plus bonne fin de live, je serai team rediff, alors bon, je verrai quand même, donc ça va. Salut Liloud. On va lui donner un nom à la sirène, si oui, moi je propose Mexicana. Pas mal. C'est pas assez deux pour ce que je veux. Allez, voilà. Ouhouhou. Ça fait plaisir de voir que c'est pas la foire dans le chat comparé à d'autres chaînes. Bah, je considère que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est quand même très 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 sympathique et intelligente, surtout, ça aide beaucoup. Je veux dire, quand j'explique un truc, j'ai pas besoin de l'expliquer 10 fois. Et ça, c'est très agréable. Je vous en remercie d'ailleurs. Les lasagnes sont prêtes. La bonne heure. Elle a la main 10 fois trop longue, la pauvre. Ouais, il y a pas mal de la musique là. Avez-vous déjà vu le film live de 2003 de Peter Pan? Les sirènes sont 1000 fois plus flippantes. De 2003. Non du tout. Oui, on est sympathique. Bon, sauf pour les brouillons. Non mais je rigole, je sais que c'était pour taquine. Y'a pas de sushi. Ah, sushi, poisson, t'as compris? Ça va pas du tout sa main en fait. Il y a un gros souci. Il y a un méga giga gros souci là. C'est pas possible. Alors le petit doigt ça va. Le petit doigt je pense que c'est... qu'on est bon là-dessus, il n'y a aucun problème. Le petit doigt on n'y touche pas. Le problème c'est le reste. Alors, ils ont traumatisé mon enfance. Ok. Traumatisé par des sirènes, c'est terrible. Mais le pire, c'est qu'à la base, les sirènes, c'est pas sympa du tout, de toute façon. Moi, c'est vrai que j'ai connu les premières sirènes avec la petite sirène de Disney, donc forcément, je croyais que les sirènes, c'était gentil. Un peu con-con, certes, mais gentil. Et bah non, point du tout. Je crois que la fois où j'étais le plus choqué. Non mais c'est, franchement, chut. Et encore une pub, double pub. On a encore une double pub, c'est génial. C'est magnifique. Moi je crois que la première fois où j'étais choqué de voir des sirènes méchantes, c'était en lisant la mythologie dans mes livres d'histoire. Et où les sirènes, bah, c'était pas du tout celle avec une queue de poisson, mais celle qui ressemblait plus à des harpies avec un corps d'oiseau. Je me disais, c'est des sirènes, ces trucs, elles m'ont dit. En plus, c'est méchant, c'est méchant. Enfin, c'est méchant. Non, ça se nourrit, quoi, c'est un prédateur, le machin. Ou alors comme nom médusa, mais tellement. Bonne nuit, Scoubidette. Ring, ring, sirène, elle apparaît. Elle a une main beaucoup trop longue, ça ne va pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment au fur et à mesure que je vois ce qu'il y a, ce qui va pas, etc. Parfois, ça peut prendre énormément de temps avant que je fasse un brouillon qui soit vraiment potable. Alors déjà, j'aimerais bien que l'épaule elle remonte un petit peu plus pour donner un peu plus de mouvement et de relief à l'ensemble, ce serait très cool. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu m'as donné envie de dessiner une sirène alors que j'ai commencé, mais je me suis arrêté pour voir ce que donnait et j'ai vu un truc laid, horrible, moche, terrifiant. Bref, tu as vraiment un don pour l'art. Il n'y a pas de don, le don ça n'existe pas. Il y a du travail. Karen, je suis à peu près sûre que tu as moins de 29 ans et que tu n'as pas pratiqué l'art depuis 14 ans comme moi. 15 ans du coup maintenant. Je suis vieille. T'as pas pratiqué l'art pendant 15 ans. Donc c'est normal.
Par contre, à l'inverse, je suis sûre que tu es plus doué que moi pour d'autres trucs que tu as pratiqués plus longuement. Ça peut être des trucs, même, c'est pas forcément artistique. Ça peut être, genre, je sais pas, moi, t'es une bonne infirmière, si jamais ton métier c'est d'être infirmière, parce que t'as fait des études pour, t'as bossé pour ça, etc. C'est quand j'étais allée, bon, désolé, je vous le dis, j'étais allée aux urgences, une fois, là, il y a quelques jours en arrière, et pour me distraire, entre guillemets, vous inquiétez pas, j'ai rien, tout va bien. Mais en gros, pour me distraire, du coup, l'infirmière a discuté un peu avec moi. Elle était adorable comme tout. Et à un moment, elle me dit, donc je venais de lui dire que j'étais illustratrice, et elle me fait j'aimerais tellement faire comme vous, mais je sais pas comment vous faites, vous les dessinateurs, moi je fais un dragon, ça ressemble à rien, machin et tout. Et je lui fais, oui, mais vous soignez les gens et vous faites tout ce qu'il faut pour les soigner, moi je serais incapable de faire ça. Et je crois que ça l'a touchée parce que, bah oui, c'est vrai, on n'a pas fait les mêmes études, on n'est pas dans le même domaine, c'est normal. On a chacun sa spécialité, chacun son domaine, chacun son expérience, donc c'est logique. Enfin voilà. Du coup, j'ai l'impression que le coup il est vachement bas. Je sais pas si je suis normale, mais je trouve que les méchantes sirènes sont plutôt réalistes que Ariel de la petite sirène qui est trop, comment dire, cul à praline. C'est pas faux. C'est non, je suis très très timide et très stressée, surtout par les garçons, ça m'intimide beaucoup. Ils sont méchants avec moi, c'est pour ça que j'aime pas lever la main et passer au tabou. Bah, courage, c'est parce que tu es jeune, ça te passera avec le temps et tu finiras par t'en moquer totalement parce que de toute façon, c'est des idiots. Merci de me rappeler que je suis foutue. Mais non, loupiote, mais c'est à tout âge qu'on peut apprendre. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est génial. Vous voulez apprendre à dessiner. Là, je parle spécifiquement du dessin, mais ça peut être n'importe quoi. Bon, à part tout ce qui est sportif. Bon, là, c'est autre chose. Faut quand même avoir la forme qui va avec. Mais vous voulez, comment dire, vous voulez vous mettre au dessin à 80 piges, vous mettez au dessin à 80 piges. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Du moment que ça vous plaît, que ça vous détend, c'est un truc qui vous passionne. C'est surtout ça l'important. Faites quelque chose que vous aimez. Même si j'ai conscience, moi j'ai du bol, je suis dans un métier que j'aime. C'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Mais trouvez-vous quelque chose qui vous plaît, trouvez-vous une passion, trouvez-vous quelque chose qui vous sorte justement de ce quotidien qui vous plaît pas forcément. Vous n'êtes pas des incapables, dites-vous bien ça. Alors effectivement, c'est difficile au début, vous avez du mal, etc. Mais suivez des tutoriels, faites des trucs, faites des choses qui vous plaisent sans vous mettre de pression, essayez d'être meilleur, mais sans vous juger. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sert pas de se comparer à H24, de se faire du mal, alors que ben forcément, il n'y a pas la même expérience, il n'y a pas le même vécu, etc. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime. Attention de ne pas te laisser influencer par la musique, salut. Tu vas te retourner avec une sirène rock, sinon, mais tellement. Alors... que c'est encore une pub. Ah non, ce n'est pas une pub. Oui, c'est que ça commence à prendre forme tout ça. Donc. C'était une blague, hein, ça, non, c'était pas sérieux. Oui, je me doute, mais du coup, ça m'a permis de rebondir sur le fait que certains peuvent penser comme ça, en fait. C'est, j'en ai connu, hein, des gens d'un certain âge, entre guillemets. Quand je parle d'un certain âge, c'est déjà... Presque 70 ans passés. Hein. Il était en mode, ouais, non, c'est trop tard pour moi. Non, non, c'est jamais trop tard. Si ça vous plaît, qu'est-ce que vous en foutez? Je sais pas si je vais poser une question au diable en même temps, je me dis, sauf que je n'ai pas beaucoup appris à me tenir même encore, donc la poitrine n'est pas un peu trop basse. Oui, un tout petit chouïa. Mais bon, de toute façon, il y a plein d'éléments qui vont pas encore. Comme ça, c'est réglé. Déjà, le bras, il me plaît pas, là, donc déjà, je vais commencer par ça.
En fait, quand c'est arqué comme ça vers l'intérieur, j'aime pas du tout. Ça donne l'impression qu'elle s'est désarticulée le coude, c'est juste pas possible. J'ai repris des études, donc tranquille, tellement, bah tu vois, exactement l'exemple de ce que je dis, on peut à n'importe quel moment changer d'orientation, faire autre chose de sa vie, voir autre chose, quoi. Après, je reconnais, pour le travail en lui-même, c'est pas toujours évident. Je reconnais qu'arriver à un certain âge, par exemple, bon, bah, vous avez plus de 50 piges, pour changer d'orientation, c'est très compliqué. Mais pour votre passion, pour ce que vous aimez faire en dehors de votre travail, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. J'ai déjà illustré deux livres, effectivement. Si t'as la flemme, fais la poitrine d'Alagéa. Attends, la poitrine d'Alagéa, ça ressemble à ça. Voilà, on est d'accord? Vous êtes sûr de vouloir ça? Bonne nuit, Miwa. Puf. C'est vrai que du coup ça me fait drôle parce que je crois que c'est le premier live, il me semble, que je fais sans Akilis. Ça me fait tout drôle. Tellement l'habitude qu'il soit dans le chat. Ouais, elle commence à ressembler à quelque chose. Ça va donner une sirène avec des problèmes de dos. Oui, bah elle a des arêtes, hein, elle a pas de squelette, donc elle est souple. Ou alors c'est une pierre. Je... Marc, c'est con, c'est une méduse. Ça n'a pas d'os. C'est comme avec les flûtes. Ah, elle commence à avoir une belle tête. Hein. Ça commence à ressembler à quelque chose, c'est bien ce que je dis, mais c'est bon ça. Par contre, le menton est une taille incroyable. Ça va être compliqué ça en fait. Ouais, il y a de gros problèmes de proportion. Je vais mettre à qui nous manque, ça fait étrange. C'est fou. Ah, quand un prochain live avec Thibaudou, on n'en sait rien du tout. Tant Dieu sait que j'aime elle, mais c'est vrai qu'elle est débordée la pauvre. Non, pas la poitrine d'Alagia. À chaque fois que je la vois, je me demande comment elle a pas mal au dos. C'est que moi. Ah oui, bah ça tu parles. Et une poitrine, c'est un truc de fou. Hein. Y en a qui ont ça. Hein. C'est sûr, ça doit être assez infernal. Oh, la meuf, oui, faisons de la pub pour la meuf, allez. On aime ça, la meuf, allez. Oh, c'est quoi cette fois-ci? Ah, c'est pour Hollywood. D'accord, vous voulez du Hollywood avec la MMA? Hein? On fait ça? Allez. La blonde plage. Bon, bah la plage, mais si les sirènes veulent le ballon de plage, alors ils achètent des ballons de trou. C'est pas con. Ouais, parce que sinon ça flotte, c'est embêtant. Alors oui, je suis en train de dessiner sa poitrine, lol, l'immaturité, tout ça, blablabla. Oui, ben, hein, c'est nécessaire, hein, coucou. On a de gros soucis de proportion. Il va falloir changer tout ça. Coucou, trop beau, merci. Bonsoir, Alice et Lénine. Ouais, il y a un gros souci de proportion, ma bonne dame, c'est terrible. En fait, c'est la... cette partie-là, j'ai l'impression. En fait, il y a plein de trucs qui vont pas. Je me demande à quoi cela pourrait ressembler un ballon de trou. Aucune idée. On va essayer de réduire un peu les proportions. Parce que là, ce n'est juste pas possible.
Bah, la pauvre, je suis en train de lui faire de la chirurgie esthétique de l'extrême, quoi. C'est... la violence du truc. C'est terrible. Tant de violence envers cette pauvre sirène qui avait rien demandé. Je trouve pas ça immature. Si tu as besoin de dessiner ta poitrine sur le dessin, eh bien tu le fais. On va pas te juger, ça. Tu rigoles, mais n'empêche. Sans déconner, ça m'est arrivé, hein. Et c'est pour ça que, en gros, à une période, en fait, je faisais les Speed Dragons, donc l'ancienne génération de Speed Dragons, mais en émission de Speed Painting. Je le faisais pour une émission qui s'appelait Pixel. Donc c'est pas moi qui l'animais, hein. Je faisais que fournir l'émission Speed Dragon. Et une fois, j'ai eu le malheur de laisser le fait que je dessinais l'entrejambe d'un personnage. Et on voyait rien, hein. Je faisais que dessiner normal, je faisais le pantalon, quoi. Et il y en a qui ont trouvé le moyen de dire « Oh lol, tu dessines son paquet !» Ça a été fini. Après ça, je ne montrais plus les moments où je dessinais les poitrines et tout. C'était terminé. Non, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Aïe, aïe. Oups. Si je me gourre, ça va être compliqué. Enlumer ses tétons. J'adore mettre des tétons partout. Enfin, non, j'aime juste dessiner les femmes nues. Ça va, Miller? Ça va, Muller Léa, tu te sens bien? On dit ça, mais... Ça fait partie des bases, de faire des personnages nus, enfin disons, sans vêtements, pour étudier les proportions et tout ça. Les bras trop fins aussi, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça, ma chérie. Je dessine souvent des femmes et j'adore leur faire de belles formes, que ce soit des parties intimes ou les cuisses. Et voilà, c'est parti sur ce sujet, mais c'est pas possible, ça bande d'obsédés. Je rigole bien sûr. Jeannot. Ouah, je suis fatiguée. Sano, j'aime bien ta sirène car elle a de bonnes proportions. Pas comme celles qui sont complètement anorexiques. C'est pas faux. Après, là, faudrait que je l'épicisse encore un peu plus, la pauvre, parce que là, c'est pas terrible. Je sens que je vais être obligée de supprimer la musique. Il y a limite plus de pubs que de musique. Quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est terrible. Aïe, aïe. Son bras droit n'est pas un peu plus loin. Oui, c'est un brouillon. Ah, salut Lily. Pouah, ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas vu. Ça fait tellement longtemps. Donc déjà, la tête, elle est trop grosse. Clairement, là, il n'y a plus à tergiverser. J'attends ton dessin. C'est lent. J'ai toujours un problème avec ce bras, hein. ça va pas du tout. Alors, c'est le premier live que je vois de toi. Ah bah écoute, bienvenue. Comment ça va? Ça va, ma chère Lily, et toi? Bon, on va commencer à réétudier les proportions. Donc là, je vais mettre un coup de fluidité. Maquillé, cheval, poisson, sorcier, succube, Pokémon, fauteuil, fille, bizarre, poupée, flippante, microscope, poubelle. Petit monsieur, moche lunette, boudoir, tout nu, fils de Scooby. Heureusement qu'il ressemble pas à tout ça, le pauvre. Comme dirait Scooby, il ressemble plutôt à Sébastien. Je me disais,
Ah, pas de son, j'ai oublié de brancher mon casque. Ah, c'est comme ça quand on n'a pas de tête. Hein. Oula, oula, j'ai du mal. Faudrait peut-être que je sauvegarde de temps en temps. Quand j'aurai fini fluidité, je remettrai un coup. Je sauvegarderai un coup. Avant la catastrophe. Alors, afficher le fond. Alors, attends. Désolée, je suis occupée à lui refaire les formes sous un outil spécial. Logiquement, vous voyez rien, malheureusement. Je crois bien qu'il n'enregistre pas ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il ne veut pas l'enregistrer, ça. Je ne sais pas pourquoi. On va chercher. Ça fait pas du tout. Je suis en train de faire de la marde. En fait, j'ai compris ce qui va pas. C'est parce qu'elle est légèrement de face, or la poitrine est vue presque 100% de... Enfin, elle est seulement de 3 quarts face, sauf que sa poitrine, elle est complètement de face, donc ça va pas du tout. Ça fait étrange, du coup. Au moment où il y a la poitrine, non, moi je suis sans. Bien joué, vidéo. Merci. Et du coup, vous voyez un petit peu comment je construis mes dessins. C'est chouette. Et avance bien ton boulot. Merci beaucoup. Cette partie là, je pense qu'il va pas aussi. Donc, je remonte un coup. Tac. Ok, on s'est arrivé à force. Il faut oublier que les côtes sont vers ici. Il faut en tenir compte. Il faut tenir compte des côtes, t'as compris? Compte, côte, oui, non, peut-être. Hypothétiquement. J'essaie même de tenir compte du fait qu'elle a un bras levé par rapport à l'autre. Elle est trop belle la photo avec la méduse rouge. Il y en a deux des méduses rouges, c'est laquelle que tu préfères. Moi, c'est plutôt celle-là. Celle-là qui est rouge surtout. Tu me laisses abouiller ses cheveux. Merci beaucoup. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Ah, là il y a un peu plus de hanches. C'est quand même mieux, non? Ça, c'est une madame. Voilà. Je m'étonne pas de toi, Samuel. De quoi? J'ai dit quoi? Je sais plus. Je sais plus ce que je dis comme connerie à force. C'est la sirène avec cette bouche. Quoi? J'ai abandonné ma sirène, trop compliquée pour moi, pour le moment du moins. T'en fais pas. De toute façon, faut se faire plaisir dans cet état-là. Faut pas chercher à se prendre la tête. Alors du coup, les bras, ça va pas du tout. Ils sont trop longs, je pense. J'ai une musique super épique. C'est trop bon ça. Une heure pour un brouillon. Ah ouais, non mais là il est loin d'être fini. Hein. Là je le commence tout juste. Là il commence tout juste à avoir une bonne tête. Du coup c'est la main qui est un peu grande.
Voilà. Déjà mieux. On va pas les faire aussi petites que celles de Sakimi-chan quand même. Hein? Mademoiselle Sano, je vous arrête au nom de la loi pour dessin plus que. C'est mignon. Alors du coup, là, c'est beaucoup trop grand. Mon même avis. Déjà un peu mieux. De toute façon, c'est le genre de dessin. Je sais que ça va me prendre au moins une vingtaine d'heures à faire en entier. Au moins. Donc, de toute façon, je suis obligée de le faire en plusieurs fois. Et il y a que comme ça. Si vous faites un dessin auquel vous tenez vraiment, que vous voulez qu'il soit au top et tout, faites-le sur plusieurs jours. Parce que comme ça, ça vous permet de faire des pauses entre temps. Et quand vous le reprenez, vous pouvez voir s'il y a des erreurs ou pas. Ce qui n'est pas possible si vous le faites en une fois. Quand je dessine les bras de mon personnage, ressemble à celle d'un gorille. Ah, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pas évident. Après, je vous rassure, j'ai galéré, je continue de galérer. C'est pas ça. C'est pas simple. Mais si on aime ce qu'on fait, c'est l'essentiel. Ouais. Encore un petit coup de fluidité. J'avais pas dit qu'il fallait que je sauvegarde aussi, sinon je vais me faire avoir. Et après, si jamais ça plante et que ça me perd mon travail, je vais pleurer. Parce que j'aime bien râler. C'est ma passion de la vie. Je ne sais même pas si je tiendrai une conversation sincère. Mais Nena se ferme tout seul. Oh, ma pauvre chachou. Tu veux une petite berceuse? Fichier enregistré. Voilà. On va sauvegarder un coup parce que sinon, ça me fait penser à l'oracle dans Eldaria. C'est quoi un peu? Pardon, j'ai eu un coup de toast, ne fais pas trop peur. Je suis très bon d'accord en une fois. L'infatigue prénom te fait apprécier ton dessin, même si tu viens littéralement de faire une patate à la tête. N'importe. Mais c'est ça. C'est tellement ça. Et il y a une autre astuce aussi pour ceux qui connaissent pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous retournez le dessin et il vous apparaît sous un tout nouveau jour. Le faites pas trop souvent, mais de temps en temps, vous voyez là par exemple, du coup ça me permet de voir que le crâne est de traviole, des petites choses comme ça. C'est tout un tas de petits trucs que vous pouvez repérer juste en retournant l'image comme ça, vous voyez. Rien que ça déjà, ça vous change la vie. Tenez, c'est moi où l'épaule est un peu haute. Oui, non. Un tout petit choix, mais genre de 1 mm quoi. Allez, je refais un coup de proportion. Ouais, clairement, elle a des gros problèmes au niveau de la tronche. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir l'évolution dans 2 minutes. Ça c'est pareil, ça c'est chiant par contre que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Là, ce serait bien pratique pour vous expliquer certains trucs. Mais bon, faut pas trop demander, pas. Vous savez, déjà je suis contente de pouvoir streamer. De base. Après, si il y a un gros point fort quand vous voulez apprendre à dessiner, c'est avoir quelqu'un qui sait vous apporter des bonnes critiques. Et ça, c'est très dur à trouver. C'est très très difficile. Plus des gens qui nous encouragent dans le bon sens, sans passer leur vie à vous imposer ce qu'ils veulent que vous fassiez, sans que ce soit forcément bienveillant, vous voyez. En fait, j'ai l'impression que les bras ils sont un peu fins, c'est bizarre. Tout de suite, on voit un petit peu la différence quand même. Ça prend forme lentement mais sûrement. On est content de pouvoir t'écouter. Oh, c'est gentil.
Salut, j'ai lancé ma chaîne d'édition il y a 2 mois sur Dragon Ball. Vous êtes allé la voir et abonnez-vous si ça vous plaît. Bah tu sais quoi, tu vas disparaître d'ici très peu de temps. Parce que c'est pas très poli, tu vois. Donc, Voilà. Alors attends, où est-ce que c'est? Oh, bah Taga, tu es un sniper. Non mais en plus, j'étais en train de commencer à chercher. Et mes yeux, ils étaient en mode, alors attends. Attends 2 secondes. Alors, la première option, c'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Non, mais quand on n'est pas habitué à modérer, c'est une horreur. Heureusement que vous êtes là, hein. Parce que je crois que tout seul, je m'en sortirai pas. En fait, la paume est bizarre. C'est ça qui va pas. C'est ça qui me fait étrange. Ouh là, je suis en train de la déformer complètement, la pauvre. Oh là là, là, elle est handicapée de la main, là, c'est... Ouais, non. Kamehameha. Kamehameha. Kamehameban. Pas mal. Les mots de sont efficaces, mais tellement. Allez, on va la déshandicaper de la main, la pauvre. Parce que là, ça va pas être terrible pour nager. Noyé, tout à fait. On est là pour ça. Ouais, mais... C'est gentil, quand même, les petits. C'est chouette. En fait, Je pense que j'ai pas fait le bras assez épais. Et du coup, par extension, pas la main assez épaisse. Je pense que c'est ça qui va pas. Ma prof d'art est du genre, à ma façon, elle prend nos projets et décide dessus. Mais bon, elle ne le fait plus. Encore heureux qu'elle ne le fait plus, parce que c'est un peu limite, ça, comme façon de faire. Nickel, déjà 22h22. Sen, est-ce que tu as d'autres passions, à part le dessin, bien évidemment. J'ai répondu dans la FAQ. J'ai un gros souci avec cette main. Ah, ça doit être ça qui va. Restarter. Moi, ma prof m'aide à avoir confiance en moi et en mes dessins. Ça, c'est chouette. Ça, c'est une bonne prof. PTDR, là, je lui dessine bien sur la tronche à la prof en lui disant « Tiens, ta tête n'est pas proportionnée non plus. » C'est pas gentil, mais j'avoue que j'ai rigolé là. J'imagine tellement la scène. Ok. En fait, c'est son petit doigt en l'air qui va pas, j'ai l'impression. Ça fait pas naturel. Pour le Discord, c'est quoi l'âge minimum? Y a pas d'âge minimum. Oh. Oh, on la sent la fatigue ou pas? Hein, on la sent, hein. Hein, je crois aussi, hein. Y a pas d'âge minimum, c'est minimum. Ah, purée de poids cassé, mais mille dieux de Dieu. Il n'y a pas d'âge minimum. C'est surtout que si tu y vas, attends-toi à ce qu'il y ait des discussions adultes. Donc, tu es prévenu. J'ai prévenu d'avance. Clairement, on l'a senti à un ambiance. C'est les ravages de la fatigue. Et n'empêche, ça me fait plaisir d'être en live. Ça fait un moment que j'avais renoncé au live parce que j'avais souvent des coupures de connexion. Donc, je pouvais pas faire grand chose. Et voilà quoi. Là, ça fait du bien de voir que je peux streamer sans être embêté. Parce que je vous jure, mais c'était limite une coupure par heure, quoi, à certains moments, c'était juste pas possible. Là, a priori, ça s'est calmé ces derniers temps, donc touchons du doigt, espérons que ça reste comme ça. Bah, ma main 10 fois trop grande, en fait, ça va pas du tout, ça. Minimum. Ça, nous, le lien du Discord est dans la description, il me semble, hein, logiquement, oui.
Salut petite lune, comment tu vas? Ouais, j'ai un peu foiré sa main. Bon, je crois qu'il faudra que je la retravaille à part en fait. Le mouvement me plaît, mais il manque un truc. Il y a un problème sur cette main. L'autre, c'est nickel. Je pense que je vais la laisser comme ça parce que celle-là me plaît bien. Mais celle-là, clairement, il y a un souci. J'arrive pas à déterminer quoi encore, mais il y a un souci. Bon, écoutez, je verrai ça demain. Là, je commence à être fatiguée, ça se sent. Mais c'est pas un souci. Bon, on imagine que le nombril il est là, même si elle a pas de nombril. Pour le moment, on fait semblant. Hein. On va la remonter un coup. Sa queue me paraît un peu grande par rapport à son corps, non? Il me semble. Va falloir que je reproportionne le tout. Ça va, c'est bon, pas trop fatigué. Encore un peu, je vais chanter des berceuses à tout le monde, ça va être magnifique. Il pleut, Mégère. Entre tes blancs dragons pour cramer ta chaumière. Montre ça. Il y a un petit problème au niveau des proportions du visage. Ouais, je sais. Je sais. De toute façon, là, comme j'ai dit, attends, ça fait combien? Ça fait même pas une heure et demie que je suis dessus. Donc, je crois qu'on peut accepter le fait que ce soit pas parfait, loin de là. Surtout qu'en plus, je vous parle en même temps. Donc, forcément, c'est un peu plus long. Mais c'est pas un reproche, hein. Mais c'est un peu logique. Donc on va imaginer que peut-être faire un mouvement plus comme ça avec la queue, ça pourrait être sympa ça. On va plutôt faire ça. Dessine super, c'est gentil. Donc logiquement je peux encore la remonter un coup. Oh ben en fait j'avais largement la place, je suis bête là. Proposition. Doudou. Tout le monde est en mode sommeil. On voit que c'est vendredi. Habituez-vous, parce que logiquement, ça tout va bien. Bon, là, le mois là qui vient, en avril, vers fin avril, je pars une semaine en vacances. Bon, après, je reprends les vidéos. Et si tout va bien, je ferai un live par semaine. Ça, ce serait très cool. A plus, ma chère Sony. Mange bien. Alors, tu vois, je suis celui que tu as ban avec un autre compte, et je suis désolée par la pub de tout à l'heure. Mais pas de soucis, mais du moment que tu comprends ton erreur et que tu recommences pas, il n'y a aucun problème. Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Même à moi. Moi aussi, j'ai fait des conneries. Hein, et j'en ferai sûrement d'autres. Tu n'es pas fatigué, toi ça nous un petit peu, 22h29, de toute façon là encore un quart d'heure, j'arrête. Mais bon, on a bien avancé, hein. On a démarré de zéro, moi je vous rappelle. Enfin, je vais la sauvegarder un coup, parce que sinon je ne me sens pas enregistré. Non, chut, tais-toi pub infernal, tais-toi deuxième pub infernal, je ne t'aime pas, je t'ai jamais aimé, personne ne t'aime, tu le sais bien. Sano, je vais me coucher, je suis un peu trop fatiguée. Il n'y a pas de soucis, chacho. Repose-toi bien, la belle.
Peut-être je l'imagine bien avec une sorte de jupette comme ça, mais vous savez, je trouve bien, bien transparent. Ça pourrait être très sympa. Avec des filaments autour, pour vraiment signifier le fait que c'est une Vénus. Ah ouais, j'aime bien l'idée, ça peut être sympa ça. Des petits néons ici, pour rappeler celui-là. Ah, je crois que je commence à trouver le style. Ça serait bien que tu fasses une série animée sur Eldoraya ou autre. Une série animée? Qu'est-ce que t'appelles une série animée? Sauf que là, elle a des choux de Bruxelles à la place des cheveux. Enfin, des choux-fleurs à la place des cheveux, la peau. C'est terrible. Elle a trop forcé sur la laque. C'est une possibilité. Magnifique jupette. Wow, zzz. Donc avec un effet un petit peu comme ça pour la jupette. Ça pourrait être sympa, celui qui fait néon là. Ça peut être très très cool. Ah, ça prend forme. T'as pu faire de l'animation. Ça prend énormément de temps l'animation. Ça prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que, à part quelques petites animations hyper simples que je peux faire sur Camtasia, sinon vraiment étudier l'animation. J'avoue que je n'en ai pas le courage pour le moment. Peut-être plus tard, peut-être. Je reconnais que ça doit être passionnant. Pourquoi tout le monde veut aller dormir? Parce qu'il est légèrement 22h30. Simplement. Bon, certes, elle a des dreadlocks, mais ça lui va bien. Oups, j'ai un petit peu dépassé. Ah, tu as oublié de reflipper le dessin. De retourner, quoi. C'est voulu. Je laisse un certain temps comme ça, puis je le re-retournerai quand je commencerai à être dans des impasses de proportions, etc. Ça me fait penser que j'ai oublié de rentrer une de mes plantes, dis donc. Moi je pense à plein. Les pauvres plantes tomates, ils n'aiment pas trop être dehors alors qu'il fait froid. Oups, j'ai fait de la merde encore. J'aime bien comment c'est dit en québécois, la marde. T'as l'impression de dire une insulte, mais de façon un peu mignonne, quoi. Bon, vous inquiétez pas, là c'est temporaire, plus pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Je suis en retard. Ah oui, en plus j'arrête là dans un quart d'heure. Pas de chance, Isabelle. Et ça, franchement, dans l'idéal, là, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de faire cette série-là. Donc si tout va bien, je ferai genre 4 ou 5 sirènes différentes. Donc sur plusieurs semaines, plusieurs mois, selon le temps que j'aurai et tout. Plus d'autres séries, d'autres différentes créatures que j'aimerais imaginer et tout. Là, ce serait pour par la suite, quand j'aurai un petit peu plus de finances, me lancer dans la création de goodies. Franchement, ça vous fait pas envie des petits goodies avec des petites sirènes comme ça, différentes créatures que j'aurais dessinées? Ça pourrait être rigolo. Sur des petits porte-clés, des cartes postales, c'est tellement chouette. Pourquoi je vois pas l'écran? Je ne sais pas. Peut-être faire un petit coup de F5.
Bah, entre autres, si le U-Tip continue de bien fonctionner, mais marche encore mieux, bah c'est un des objectifs que j'aimerais me fixer. Après, il n'y aura pas que le U-Tip, j'aimerais aussi mettre en place un Tipeee par la suite, des trucs comme ça, enfin, pas mal de petits projets pour trouver du financement et pouvoir mettre ça en place. Mon objectif final étant bien sûr de vivre 100% de mon art via, enfin pas via YouTube, mais via la communauté en fait. Pour ne pas avoir à chercher extérieurement. Ce qui n'est pas un mal, comme j'ai dit, c'était pas le même de la vidéo. Moi je vais vous dire à l'emblème de chercher, c'est parti. Ouais, donc bref, tout ça pour dire, c'est surtout pour ne plus avoir à courir après les commandes et tout ça. Enfin, les commandes extérieures surtout. Parce qu'à la limite, si c'est un membre de la communauté qui me dit, bah tiens, j'aimerais que tu me fasses un dessin ou quoi, c'est quoi tes tarifs, etc., il n'y aurait aucun problème. Le problème, c'est quand c'est moi de courir parfois après. Après des gens pour dire bah tiens t'aurais pas besoin de quelqu'un, et parfois poireauter comme un con, on va pas savoir. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Comment tu as fait pour augmenter la beauté du dessin? Putain, c'est gentil. Et comme j'ai dit, la masse d'expérience. La masse d'années de travail. Qui trouve la musique stressante? En fait, j'ai l'impression que les épaules, elles sont un peu trop sorties, je crois aussi. Ouais. Bon, au moins, on l'a la méduse, là, j'ai envie de dire. Je me demande si je vais pas faire les filaments aussi un petit peu transparents, tu sais. Genre comme s'ils étaient un peu luminescents, ça pourrait être très très cool ça aussi. Oh, pardon, c'était extrêmement mal poli ça. Qu'est-ce que je peux rototouner ce soir? C'est terrible. Là, ça fait une musique vachement épique par rapport à ce que je fais, ça n'a aucun sens. Par contre, justement, j'étais en train de me demander comment je vais faire pour cacher sa poitrine en fait. Faire un truc qui soit cohérent avec les méduses. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je sais, qui pourrait être très cool. C'est un espèce de faux décolleté avec des. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce style un peu un décolleté, mais vous savez, le truc qui fasse naturel un peu, donc pareil avec les volants un peu dentelle des méduses, ça peut être très 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 sympa comme ça. Donc comme ça, ça cache, mais ça reste dans le thème. Il me fait aimer les méduses. Bah tant mieux. Après, je suis certaine que vous me réparez mon peau. Mais reposez-vous. Ah oui, c'est vrai, c'était toi qui avais demandé la faux exacte. Enfin, je suis désolée, à mon avis, je la finirai jamais. Je suis vraiment désolée. Par contre, peut-être la faire, mais en version dessin, comme je fais actuellement. Parce qu'en fait, comment t'expliquer? La faux, je l'avais commencé en style photoréaliste. C'était pas le bon choix du tout. Non, du tout. C'est le pire choix possible, parce que c'est vrai que ça prend un temps considérable. Et vous aviez vu, hein, l'autre fois, j'avais mis combien de temps? J'avais mis 2 heures pour faire une rose, quoi. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors que là, un personnage entier en brouillon, en 2 heures, il est fait. Comme j'ai dit, là, en 20 heures, il sera fait. Je pourrais faire avec les chapeaux des méduses pour la poitrine. J'y ai pensé, mais je sais pas, ça ferait bizarre quoi. Là au moins, on a l'impression que ça fait vraiment partie d'elle, tu vois.
Enfin bref, tout ça pour dire que la faux, c'est vrai qu'elle me plaisait bien cette faux, mais je pense que je laisse tomber la faux photoréaliste. La photoréaliste, c'est drôle. Et que je la ferai plutôt avec mon nouveau style, enfin mon style graphique, mon vrai style graphique. Parce que oui, mon vrai style graphique, c'est pas un style photoréaliste. T'es sûr que c'est un brouillon? Oui, totalement. C'est totalement un brouillon, hein. On va finir par y arriver. Vous voyez, ça fera lumineux comme elle. On a ici. Très 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 sympa. Moi, je me fais des petits kiffs comme ça toute seule. Tout va très bien. Je crois que c'est là que tu vois quand t'as réussi ta passion ou pas. C'est quand tu te fais des kiffs tout seul comme un grand, que tu t'éclates tout seul. Enfin, tout seul. Là, je suis avec vous, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi comme logiciel? C'est dans la description. Alors, dès que vous voulez un renseignement, regardez d'abord dans la description, parce que les trois quarts du temps, c'est ça. Oh, bonjour, je t'ai. Enfin, bonsoir, du coup. Alors, on a démarré d'une femme sans âme dans les yeux et qui voulait manger une autre âme à nous. À ça, quand même. Donc, ça va, il y a une petite évolution. Hein, petit chouïa. Par contre, ça va être compliqué d'imiter celle-là. Ouais, faut pas que je prenne le temps. Faut pas que je prenne un peu plus le temps. Par contre, pour faire les volants sur cette partie-là. En fait, je veux faire les volants un petit peu comme ici, là. Ça prend de quoi, ça? Ah, d'accord. Je vois un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, ça fait plus des espèces de dentelles. Des dentelles épaisses. Avec des espèces de couleurs sur les bouts. Faut comprendre. Tu vas faire plusieurs parties de live pour finir le dessin. En fait... je pense que je vais le faire partiellement en live, partiellement en off, je verrai. Je verrai. Parce que là, le truc, c'est que c'est vrai que c'est sympa de discuter avec vous. J'ai aussi besoin de faire pas mal de recherches en parallèle. Là, je peux me permettre de pas trop rechercher des modèles ou des trucs comme ça. Vu que, c'est juste le brouillon pour voir la forme générale. Mais par la suite, je vais en avoir un peu plus besoin. Par contre, la queue est petit, faut trop grande par rapport au reste. Ça, c'est pas terrible. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Essaye de te donner la chanson en silence, non, pas du tout. Enfin, peut-être que je connais, mais là, le titre, vous me direz. Alors, je ne ferai pas des câlins, mais il faut reconnaître qu'elle a l'air toute fluffy. Oui, j'ai dit fluffy pour une méduse, quand même. Je sais pas, t'as envie de faire flou, 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 flou. Tu sais, comment ça s'appelle, les ballons pistes. Je crois que je vais partir faire des bonnes minutes, car ne t'inquiète pas, là, tu loupes presque rien, parce que là, je vais arrêter, je pense. Là, je vais arrêter, je suis beaucoup trop fatiguée. Alors, on a bien avancé, quand même, hein. On a très très bien avancé. C'est excellent ça. C'est quoi cette musique encore? C'est très bien la musique, qu'est-ce que tu racontes? C'est des musiques libres de droit. De droit. Suite. Suite, suite, suite. On la sent la méduse ou pas? Hein, franchement. C'est notre, tu aimes quoi comme K-pop? Mais ça, si tu aimes, c'est ça. Je suis pas plus fan que ça de la K-pop, mais je comprends totalement qu'on puisse aimer. C'est vrai que ça bouge bien et tout, c'est très sympa. Il y en a quelques musiques de K-pop, mais bon, c'est un petit peu comme tous les styles, je vais aimer quelques musiques et le reste, ça va pas compter. En fait, je fonctionne pas par style, même si j'ai une petite préférence pour le métal.
Mais globalement, ça va être plutôt des musiques précises, des ambiances précises que je vais kiffer. Quoi. Même à une période, j'aimais pas du tout le rap. Alors, vraiment, ça se passait pas. Il y a des musiques de rap maintenant que j'aime bien. Moi, j'aurais dit plutôt de gonfler que Fluffy. Bon, c'est bon, j'ai cru que j'avais fait bugger le truc. Ok. Yo, je suis un rat. C'est du rat. Ce genre de rap. Aïe. Le pire, c'est que j'aimais bien cette musique étant jeune. Bon, allez, un petit coup dans l'autre sens. Il y a même des trucs qui me dérangeaient avant qui me dérangent beaucoup moins. Par contre, le bras là, du coup, il est trop court en fait. 10 fois trop court. C'est pas grave. Bon, j'arrête pour ce soir. Bon, là déjà, on a bien progressé. On a fait un bon petit bout de chemin ensemble. C'est magnifique. Le pire, c'est quoi aussi les métros. Je comprends. Ouh. Je suis désolée, je suis claquée de ouf. Allez. Bon, bah, je vais vous saluer, je vais vous souhaiter une excellente nuit, reposez-vous bien, prenez soin de vous, amusez-vous surtout, c'est le plus important dans la vie, amusez-vous bien. Tu veux le continuer en live? Comme j'ai expliqué, Soul, en gros, je ferai moitié live, moitié off, en fait. Je pense que je ferai selon pour pouvoir aussi avancer sur certains trucs et tout. Par exemple, là, peut-être finir le brouillon, je le ferai en off, l'ancrage, je le ferai en off, mais le début de la couleur, je le ferai avec vous. Je sais pas, des petites choses comme ça pourrait être sympa. Bref, prenez soin de vous, reposez-vous, amusez-vous, et tchuss!